Lucie, je voulais te dire que j'étais très heureux de t'avoir rencontré, que j'ai découvert une fille fragile et sensible, et surtout, il ne faudrait jamais que tu perdes ça. Et je voulais dire principalement que je t'aime. Laissez parler vous, votre cœur, laissez parler les choses qui sont proches de la fin et qui repartent et qui... Et là, je reviens... Ah, si elle peut pas. Hein? Allez-y, allez-y. Et vous penserez à ça, de ce qu'on a fait ce soir, demain aux évals. C'est un petit moment à passer, mais après, voilà. Une fois qu'on est dedans, c'est parti. Vas-y, Lucie. Vas-y, bats-toi. Cherche les mots, cherche les phrases, mais ne te cache pas. Je sens trop ce qu'elle ressent. Je sais, mais il n'y a que là. Je ne parle pas d'amour, je vous parle d'une amitié forte qui existe entre vous tous, là. Et voilà, je crois que demain... On peut comme disait Oscar, rendre visible ce qui est invisible. Non. D'accord, rendre un être à qui vous avez envie de dire je t'aime, le rendre visible là tout de suite. Mais moi je veux que vous partiez demain aux évaluations avec l'émotion que vous aurez partagé le temps de ces deux phrases et le temps de dire à cette personne je t'aime. Greg, déjà, voilà. C'est faux. Ça c'est affreux, non. J'arrive pas. Elle cherche ses mots, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, c'est tout à fait normal. Et voilà, il faut que ça sorte. Non. Vous serez confronté dans la vie à dire à quelqu'un je t'aime. Forcément. À un proche, à son chéri, à son amoureuse. Ouais, ça s'impose pas, tu le dis comme tu le ressens sur le moment. Il y a bien un moment où il faut que tu lui dises. Non. Si tu lui dis pas, bah écoute, je sais pas, mais il y a bien on le prouve par des actes, mais il y a bien un moment, il va falloir que tu le dises. Tu ne l'as pas, tu... Bon, on fait, ensuite, on verra votre exercice. Vas-y, on y va. Ça va aller, c'est bon. Il n'y a pas de honte à avoir. Mireille. Quoi, ne me fait rien. Aussi. Non, c'est bon, tu y arrives. Voilà. En plus, ces rires-là, elles se cachent derrière ça. Mais oui, non, mais bien sûr, mais ça se voit. Là, tout de suite, c'est grand. Ça se voit. Et c'est normal. Et je ne mets aucun coup de pression. Oui. C'est rare pour moi de... Mais dans le masque, c'est vrai, oui. Mais je suis toujours en train de... Mais ça prouvera la sincérité de vos mots les uns par rapport aux autres. Et demain, de comprendre la chanson de Lara Fabian, je t'aime. Non. Hors de question que j'ai ce truc-là. Allez, on y va. C'est sa dédicace. Il est 10h20. Ouais, il faut qu'on se dépêche. Voilà. Embrassez-vous, bordel de la merde. Non, on va pas avancer. Non, il faut y aller, là. Arrête. Oh bah depuis le début de l'aventure Starac, moi j'ai découvert petit à petit quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça a été progressif. Et voilà, et puis j'espère qu'on se connaîtra mieux à l'extérieur, parce qu'ici tout est un petit peu différent. On sait pas toujours bien tous ce qu'on peut ressentir. Voilà, donc t'es quelqu'un de bien, ça j'en suis certaine, j'ai pas de doute là-dessus. Après, reste à savoir ce que tu penseras de moi à l'extérieur. Et voilà, donc je t'aime. Ben, c'est beau, on a une déclaration, c'est génial. C'est super. À vous. Oh, merci. C'est affreux de faire après, ça. Il faut aller me chercher. Comme l'a dit Sandy, hein, elle est superbe. C'est une aventure unique. Et je ne me rendais pas compte, moi, quand... même, je pense que c'était ton discours après avoir fait l'aventure, qu'en ayant vu les éditions précédentes à la télé,
on se rend pas compte à quel point des liens forts se créent et que les émotions sont décuplées, quoi. Qu'on est à fleur de peau et tout, autant à l'extérieur, tu vois, c'était très rare que je verse ma larme, je me retenais tout le temps, je gardais tout au fond de moi. Et puis là, j'ai l'impression que des litres depuis le début de l'aventure. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce que... Parce qu'on découvre. Sandy. Ah oui, carrément, toi dans le... Sandy, ne fais pas autre chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ils t'ont embêté, tu leur rends la monnaie, c'est pas intelligent. Là, j'ai me vengé, vraiment. Ok. Non, sincèrement, ça nous fait apprendre pas mal sur nous-mêmes. En tout cas, j'en ai appris beaucoup sur moi. Et le fait de travailler aussi dans l'urgence et tout ça, de toujours être boosté, c'est bien aussi sur le moment où on a peur. Mais quand on assure, quand on arrive à être présent et bon aux évaluations, on est satisfait, quoi, de voir que bon, ça pue. Le fait de travailler en une journée et demie, même pas, voilà quoi. Ça, c'est bien de repousser ses limites. Et puis aussi bah, de chanter, de rencontrer plein de vedettes qui nous font partager un peu leur connaissance, tout ça. Mmh. Très généreux. Et comme Michel Fugain dernièrement, tu vois, c'est enrichissant, quoi. C'est enrichissant, il faut s'imprégner de tout ça. Bon, maintenant, voilà, le seul point négatif, comme l'a dit Sandy, pareil, c'est les éliminations. Ouais, vu qu'on s'est beaucoup attaché avec beaucoup de gens, vu qu'on a le même rêve à la base, on a envie de tous de réussir, on se sent coupable de participer indirectement à peut-être la démolition, on va dire, du rêve de celui qui partira. Peut-être, c'est pas fini pour lui. Voilà, exactement. Bien sûr. Mais ça fait partie du jeu. Mais en fait, je te dis ça surtout pour les gens qui sont partis au début. Parce qu'on sait tous qu'après c'est difficile. Mais et voilà, c'est juste, c'est pour ça, quoi. C'est dans les 6-7 premiers, c'était difficile quand même. C'est très difficile. Après, c'est encore plus difficile parce qu'en fait, il y a l'aspect affectif, le temps passe, ça fait que bon, on a le temps de se connaître, donc on s'accroche vachement. Et voilà, ça c'est difficile. Mais bon, après, voilà, comme pour la dernière fois, il y avait Harlem et Sandy. Harlem, je sais que maintenant il a fait son truc ici, il sait dans quelle direction il va aller. Artistiquement, moi je ne me fais pas de soucis pour lui. Donc j'avais moins de remords à voter pour Sandy et à voir Harlem sortir, même si ça me faisait énormément chier parce que rapport affectif, j'adore Harlem. Donc voilà, des trucs comme ça, quoi, qui sont. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on vous donne la chance de réaliser vos rêves. Et que malgré tout, c'est. C'est le professionnel, c'est votre jugement de vedette et de jeune artiste qui doit primer quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. C'est important. Ouais, c'est clair. C'est vrai que la complicité, cette histoire de venir d'un milieu différent, d'avoir des caractères différents, d'avoir évolué dans de milieux différents, est enrichissant pour l'aventure. Parce qu'on se dispute, parce qu'on est. Donc je sais, mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous travaillez pour devenir des artistes et. Bien sûr. Et vous vous oublierez jamais, ça c'est une chose qui est sûre. Et c'est un gros tournant de votre adolescence. Parce que qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous étiez à l'école, vous travailliez, tu vois, et. Enfin bon, voilà. Un coup de baguette magique et puis des souhaits fortement criés ou je ne sais pas, des pièces jetées dans un puits ou n'importe, on peut faire que voilà, aujourd'hui vous êtes là et que moi je suis à la place d'un professeur en train de vous dire l'humeur du jour comme Raphaël nous faisait faire, tu vois, c'est assez énorme et c'est vrai que moi je trouve ça n'importe comment ou je ne sais quoi. Vous allez vers une ou plusieurs personnes que vous aimez profondément, sincèrement, vous vous serrez dans les bras très fort, sans un mot, sans un rire, sans quoi que ce soit. Tu veux pas mettre une musique? Non, non, action. Sans rire, vraiment le silence. On serre quelqu'un qu'on aime très fort, ou une autre personne, plusieurs personnes. On se remercie d'être ensemble, de vivre ensemble. Silence, silence, silence.
que vous faites. Ne vous cachez pas. Soyez sincère. Vas-y, lâche-moi, c'est pas bien. Chut, 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 silence. Faites-le sérieusement. Tu peux. Arrêtez les garçons. Sérieusement. Silence. C'est pas grave. Il y en a qui se cachent beaucoup, c'est bête. Vous ne vivez pas les choses à fond. Et pour ceux qui feront la tournée, le dernier jour, ça va être terrible. Donc c'est maintenant qu'il faut se dire je t'aime pour toutes les bonnes choses et les aléas de la vie en communauté, sur une tournée, dans la vie, pour des disputes toutes bêtes, au téléphone, pour des malentendus, pour des quiproquos. Allez, je vous laisse aller bosser la danse. Voyez bien. Croyez bien. Croyez bien. C'est important. Ouais.